Bienvenue sur le champ de bataille pour la plantation des pommes de terre. Du coup, en laissant suffisamment longtemps le paillage, ça désherbe tout automatiquement. Il faut quand même une petite épaisseur parce que sinon ça passe, quelques herbes passent à travers. Et maintenant, décompacter la terre avec l'outil fragile qui remplace le motoculteur. Et voilà, il faudra encore émietter la terre avec l'outil qui s'appelle la campagnole. Mais j'en ai pas parce que c'est un sacré investissement. Donc je n'ai pas de campagnole, mais j'ai un compagnon. Il faut maintenant creuser un sillon à 10 cm de profondeur à l'aide de la serre fouette. Planter les bulbes espacés de 35 à 40 cm à l'aide d'un guide. Les tubercules vers le haut. Ça nous fait une petite dunette. C'est presque terminé. Donc à l'extrême gauche, il y a les pommes de terre Charlotte. Ensuite, il y a les désirées. Après, les Artemis. Et enfin, à l'ultra droite, il y a les échalotes. Les Artemis sont sortis vraiment très rapidement et ça c'est très rock'n'roll. Les oignons ainsi que les salades qui commencent à pousser dans les tunnels Nantais. Toujours pas mal de radis.